Alors, l'intelligence artificielle va aujourd'hui apporter énormément de choses au niveau de l'industrie. Il faut savoir que depuis de nombreuses années au niveau de l'industrie, on a beaucoup travaillé avec des données descriptives, c'est-à-dire qu'en gros, on décrivait ce qui s'était passé. Et avec des outils comme ceux que ça a apporté, on est capable aujourd'hui de prévoir, d'analyser de façon plus approfondie et de prévoir d'éventuels problèmes, notamment en maintenance prédictive, en optimisation, de choses qui vont arriver, voire même jusqu'à aller être capable de prévenir en conseillant certaines actions. Ça, c'était jusqu'à là. Et on a travaillé surtout avec, je dirais, des algorithmes qui sont plutôt des algorithmes statistiques et avec une intelligence purement humaine sur la façon de les utiliser et de les interpréter. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va amener beaucoup plus de nouvelles, je dirais, technologies, nouvelles notions. C'est-à-dire qu'on va être capable de manipuler encore plus de données, mais on va surtout être capable de croiser des informations qu'on est incapable de croiser humainement pour découvrir de nouvelles, je dirais, de nouvelles patterns, de nouveaux signaux, de nouvelles informations au niveau des données qu'on aurait été incapable de trouver sans ce type d'outils qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis, d'être beaucoup plus précis, beaucoup plus approfondi, notamment en tout ce qui concerne, effectivement, aujourd'hui, c'est très appliqué à la maintenance prédictive, c'est très appliqué à tout ce qui est supply chain, c'est très appliqué à tout ce qui est contrôle qualité, pour déceler le plus en amont possible d'éventuels soucis et des choses qu'on n'aurait pas pu identifier ou beaucoup trop tard. Alors, les objets connectés et au niveau de l'industrie vont énormément changer les choses. On le voit déjà aujourd'hui. La plupart des machines ont des capteurs qui génèrent de l'information en permanence et de plus en plus d'informations. Et ça va apporter, je dirais, principalement deux choses. Déjà, on a beaucoup plus d'informations. Je parlais d'intelligence artificielle et elle a besoin d'énormément de données pour être capable d'analyser les choses. Donc aujourd'hui, avec tous ces capteurs, on va être capable de recouper toutes ces informations. Et on parle non seulement de signaux, de vibrations ou autres, hein, des choses relativement très, très simples et qui existent depuis très longtemps, mais on parle aussi de nouveaux types d'informations, comme les images qu'on va pouvoir interpréter, et avec un flux de données qui va être beaucoup plus rapide. Donc je parlais d'une grande quantité d'informations qu'aujourd'hui on va être capable de traiter par rapport à ça. Et le deuxième point important, c'est ce qu'on appelle la latence, c'est-à-dire le délai. Jusqu'à présent, on travaillait surtout avec des données qu'on récupérait, qu'on allait stocker quelque part et qu'on allait ensuite analyser. Avec les objets connectés, qui dit connecté dit quelque part temps réel, flux temps réel, on va être capable d'amener typiquement les notions d'intelligence artificielle au plus près des machines et au plus près, et ce qui va nous permettre aussi de réduire le temps et le délai entre le moment où l'événement apparaît, la donnée apparaît, et le moment où on est capable de la traiter et d'en tirer une information intelligente pour être capable d'agir. Et lorsqu'on réduit ce délai, et bien quelque part on va aussi réduire les coûts. On va être capable d'agir plus rapidement, typiquement lorsqu'on a des problèmes de qualité, lorsqu'on détecte un souci sur une chaîne de production, lorsqu'on doit réorganiser supply chain, lorsqu'on a, des camions dans lesquels il faut faire de la maintenance immédiate et dont on doit réorganiser quelque part le trajet de tout ce qui est livraison. Donc on va pouvoir, en réduisant le temps de latence avec lequel on va être capable d'intervenir et de prendre des décisions, quelque part on va être capable d'optimiser les choses de façon beaucoup plus efficace et de réduire les coûts.